Bonsoir à tous. Bienvenue sur la première. Eh bien, les champions s'installent. Et on est très heureux de vous retrouver. Ils sont donc quatre, comme toujours, le sortant et trois nouveaux qui nous arrivent. Bonsoir, Samuel. Oui, Magloa, bonsoir. Ça va? Oui, ça va, et toi? Très bien, oui, voilà. On va jouer. Oui, on va jouer. Bahaki revient pour tenter une deuxième victoire. Je vous prie d'ovationner Bahaki, s'il vous plaît. Le regagnant de l'émission d'hier, merci d'être là. Merci de vous installer, Bahaki. À sa suite, Eric est là pour jouer. Merci de faire du bruit pour accueillir Eric. Bonsoir, Eric. Ça va? Très bien. Elle s'appelle Paula. Elle joue également ce soir avec nous. Merci d'ovationner Paula. Heureux d'avoir... Non. Avec les hommes, là, ça va. Non, venez là. Très bien. Là, c'est mieux. Ça va? Ça va. Mm-hmm. Merci aussi à vous. Vous êtes jaloux, quoi. Mais applaudissez quand même. Nous finissons avec Ashiraf qui joue également ce soir. Merci d'ovationner Ashiraf. Bonsoir Ashiraf. Bonjour, bonjour. Ça va? Non, il faut parler dans le micro, là, ça sera mieux. Ah oui, ça va. Très bien. Installez Ashiraf, mesdames, messieurs. Et vous à la maison, vous pouvez également vous installer. Prenez voilà, vos calepins, vos bics, jouez. Avec nous, c'est toujours un bonheur. Voilà. Et vous qui êtes là, mais merci. Bahaki pour tenter une nouvelle, sinon une deuxième victoire. Ça va? Oui, ça va très bien. Ok, en forme? En forme. On s'est entraîné ou pas? Oui, mais seulement que bon, je n'ai pas gagné assez de temps pour mieux m'entraîner parce que je vais battre le record jusqu'à aller à la finale, quoi. En tout cas, c'est tout mon souhait. Ah, bien sûr. Voilà. Mais ça passe par forcément une nouvelle victoire et en face, bon, je ne sais pas si vous feront des cadeaux, mais on verra tout ça. Et d'accord. Allez, 5 à la suite, c'est la première manche. Tout de suite. Cinq à la suite, c'est la manche à thème. 5 thèmes pour 4 candidats. Et Bahaki va choisir en premier le thème qu'il convient. Et cet après-midi, on va jouer avec les instruments de la science. Les légumes, la lune, les fruits, les Jeux olympiques modernes. Les instruments de la science, les légumes, la lune, les fruits, les Jeux olympiques modernes. Bahaki. Oui, mm-hmm. Magloa. Oui. Je prends les instruments de la science. Les instruments de la science. Les instruments de la science pour Bahaki. Ah oui. Voilà, 5 questions. La toute première, que mesure un baromètre? Que mesure un baromètre? A, la pression atmosphérique. B, l'humidité de l'air. C, des angles. Ou D, l'air tout court. Que mesure un baromètre? Je prends la question A, la pression atmosphérique. La question, hein? La réponse A, la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, bonne réponse. Deuxième question. Un anémomètre mesure A, la vitesse du vent. B, la taille des anémones. C, les anémies ou D, la vitesse atmosphérique. La taille des anémones. La taille des anémones. Oui, B. Non, plutôt la vitesse du vent.
À quoi sert une girouette? À quoi sert une girouette? A. À connaître la direction du vent. B. À prévoir les changements de température. C. À voir la nuit. Ou D. À connaître la température de l'atmosphère. Oui. Une girouette. A. À connaître la direction du vent. Bien sûr. À connaître la direction du vent. Très bien. De quel terme la dynamo est-elle l'abréviation? A. Dynamique. B. Dynamométrique. C. Dynamite. Ou D. Dynamo électrique. De quel terme la dynamo est-elle l'abréviation? Dynamique, dynamométrique, dynamite ou dynamo électrique? Oui. D. Dynamo électrique. Oui. Bravo. Un 3 points. Et la dernière question pour Baraki. En quelle année est inventée la radiographie? La radiographie a été inventée en quelle année? En quelle année la radiographie a été inventée? Est-ce en 1896, 1898, 1894 ou 1899? C'est en 1894. Non, c'était en 1896. Très bien, trois points pour Baraki et pour la suite, nous jouons avec Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir Magloire. Vous allez bien? Bien. Vous faites quoi dans la vie Eric? Je suis étudiant, troisième année de linguistique à l'université de Lomé. Super, et vous arrivez de quel quartier? Je viens du quartier Tokon Dogbe à vous. Ah, Dogbe à vous. Vous connaissez cette histoire? Oui, le revenant de Tokoen Togbeavu. Le revenant de Tokoen Togbeavu. Vous avez le revenant ou la revenante? C'était une dame, apparemment. Oui, c'était une dame, c'est mais la bon. Revenante. Mais à la fin, c'était une fausse histoire. Hein, une simulation. Vrai canular. Voilà. Tokoen Togbeavu. Vous nous situez un peu Tokoen Togbeavu? Pour ceux qui ne connaissent pas. Bon. Ouais. C'est pas loin de l'hôpital. OK. Dans les environs de l'hôpital. Du CHU Sylvanus Olympiou. Oui. C'est ça. Allez, très bien. On va jouer. Vous avez entre les légumes. OK. Oui. Les légumes, la lune, les fruits et les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques modernes. Voilà. Je vais prendre les fruits. Les fruits. D'accord. Les fruits pour Eric, notre très cher ami de Tokoen Togbeavu. Allez, on joue, Eric. Cinq questions, la toute première. Avec quel fruit fabrique-t-on habituellement le cidre? Quatre possibilités de réponse. A, le melon. B, la banane. C, la pomme. D, la mangue. A, le melon. Le melon. Ça ne marche pas, c'est la pomme. De ces quatre fruits, lequel n'a pas de pépins? A, la banane. B, l'orange. C, le citron jaune. D, pamplemousse. A, la banane. Ben oui. Ça, s'il passe à côté, on le sort, il prend des fessées et puis revient. Mais bon, c'est la bonne réponse. C'est la banane qui n'a pas de pépins parmi les quatre. Et qu'est-ce qu'une rainette? Qu'est-ce qu'une rainette? Écoutez bien, qu'est-ce qu'une rainette? A,
une variété de framboise, B, une variété de pomme, C, le nom savant de la pastèque, ou D, le nom savant du raisin. Une rainette. C, le nom savant de la pastèque. Non, c'est plutôt la variété de pomme. C'est une variété, une variété de pomme, appelée encore une rainette. Parmi ces fruits, un n'est pas un agrume. Vous savez ce que c'est que les agrumes? Bon, en tout cas, on ne va pas faire la leçon ici. lequel, parmi ces fruits, un n'est pas un agrume, lequel? A, l'orange. B, le citron vert. C, la poire. Ou D, le pomelo. A, l'orange. Non, l'orange est un agrume, cher ami. Tout comme le citron vert et le pomelo qui fait partie de la famille des pamplemousses. Donc, c'est la poire, mais pas un agrume. D'où, on est à un point, d'où vient le litchi? Pays d'origine. De litchi, A, les États-Unis, B, la France, C, l'Inde ou D, la Chine. Ce fruit nous vient de quel pays? D, la Chine. Oui. Oui. C'est la Chine, c'est la bonne réponse. C'est la Chine. Très bien. Vous portez votre score à 2. Bien joué, Eric. La suite avec Paula. Ça va? Faites quoi dans la vie, Paula? Je suis diplômée en un ayant, secrétariat bureautique. Mmh. Je suis également accessoiriste et agent commercial. Vous faites des accessoires, quel genre? Je suis dans le domaine de la fabrication des sacs en pagne, des chaussures, des bracelets, des boucles d'oreilles et puis des bricolages. OK. Très bien. Et vous habitez quel quartier? J'habite le quartier Ségué. Ségué, d'accord, très bien. Bon, votre route est en téléchargement, donc il n'y a plus trop de soucis. Même s'il y a des déviations maintenant, mais c'est pour la bonne cause. Oui. Ouais, très bien. On joue maintenant, Paula. Vous avez entre les légumes, la lune et les Jeux olympiques modernes. Les légumes. C'est sûr. Ah, les légumes. Les légumes. Pour Paula, c'est aussi 5 questions, Paula, OK. On y va avec les légumes et dites-nous, parmi ces légumes, lequel est le plus riche en vitamine C? Le brocoli, les épinards, le poivron rouge, le persil. Parmi ces 4, il y a un qui est plus riche en vitamine C. Et c'est lequel? Le brocoli, les épinards, le poivron rouge ou le persil? Les épinards. Plutôt le poivron rouge. Et parmi ces légumes, l'un est aussi fleur. Un légume, mais c'est aussi une fleur. Lequel? A, la carotte. B, l'endive. C, l'artichaut. D, le cardon. La carotte. Du tout. Ce n'est pas la carotte, c'est plutôt l'artichaut. Il faut réagir maintenant. Quel légume n'entre pas dans la recette de la ratatouille? Parmi ces 4, lequel n'entre pas dans la recette de la ratatouille? A, l'aubergine. B, la carotte. C, la tomate. D, le poivron. La tomate. C'est plutôt la carotte qui n'entre pas dans la recette de la ratatouille. C'est plutôt la carotte.
La quatrième et avant-dernière question, il faut réagir maintenant, Paula. OK? Ça peut aller? Oui. Ça peut aller? Oui. Elle a besoin de vous. Bien. Paula, laquelle de ces variétés n'est pas une pomme de terre? L'Artémis, l'Amandine, la Rainette, la Vitelotte. La Vitelotte. Et si ce n'est pas la Vitelotte, c'est... Mais le point est déjà passé. Hein? L'Amandine. Et si ce n'est pas la Vitelotte, c'est... L'Amandine. Hein? L'Amandine. Non, non, du tout. Voilà, c'est plutôt la Rainette. Quel est le légume dont on mange les racines? Parmi ces quatre, on mange ses racines. La tomate, la carotte, le concombre, le cerfeuil tubéreux. Oui. Quel est ce légume? On t'en mange les racines. Oui. La carotte. Vous dites? La carotte. Ben oui. C'était un peu compliqué. Et la carotte, oui. Un point. Et pour la suite, nous sommes avec Ashraf. Bonsoir, Ashraf. Bonsoir, Magloire. Ça va? Ça va bien. OK. Vous faites quoi dans la vie, Ashraf? Je suis gestionnaire comptable de formation, agent commercial et conseiller en assurance. Très bien. Et vous habitez? Legbasito. Legbasito. Oui. Très bien. Bonjour. Bien sûr. Ah oui, on est là pour ça. Et on a entre la Lune et les Jeux Olympiques modernes. Les Jeux Olympiques modernes. On tente les Jeux Olympiques. Très bien. On tente les Jeux Olympiques modernes. Très bien. Ashraf, bonne chance. Ça fait aussi 5 questions pour vous. Hein. La toute première, quelle fut la première ville organisatrice des Jeux Olympiques modernes? La première ville organisatrice des Jeux Olympiques modernes. Vous avez 4 propositions. A, Londres. B, Paris. C, New York. D, Athènes. C, New York. Non, c'est plutôt Athènes. C'est Athènes qui a organisé les tout premiers Jeux olympiques modernes. Athènes. La suite, lequel de ces pays n'a jamais organisé les Jeux olympiques d'été? Il y a les Jeux olympiques d'été, il y a les Jeux olympiques d'hiver. On le sait. Voilà. Lequel de ces pays n'a jamais organisé les Jeux olympiques d'été? A, Suisse. B, Belgique. C, Suède. D, France. Suisse, Belgique, Suède ou France? Ah, Suisse. Je suis d'accord. C'est la Suisse. Et quel fut l'hôte des Jeux pour le centenaire des Jeux olympiques modernes? Reprenez, s'il vous plaît. Quelle ville fut l'hôte des Jeux pour le centenaire des Jeux olympiques moderne. Et quelle ville a organisé les Jeux olympiques, en tout cas le centenaire des Jeux olympiques modernes? Les 100 ans. A, Athènes. B, Atlanta. C, Chicago. D, Barcelone. B, Atlanta. Oui. Atlanta.
C'est Atlanta. Deux points. Laquelle des villes a accueilli trois fois les Jeux olympiques modernes? Parmi ces quatre, il y a une ville qui a déjà accueilli trois fois les Jeux olympiques. C'est laquelle? A, Londres. B, Paris. C, Athènes. Ou D, Copenhague. Elle a déjà accueilli les Jeux trois fois déjà. C'est quelle ville? Londres, Paris, Athènes, Copenhague. C'est Athènes? Non, Londres. C'est plutôt Londres. Et on termine avec la cinquième question. Quel a été le premier pays à devenir l'hôte pour la quatrième fois des Jeux olympiques? Quatre fois déjà. Quel est ce pays? États-Unis, Japon, Canada ou France? États-Unis, Canada, Japon ou France? B, Japon. Non. États-Unis. C'est plutôt les États-Unis. Vous restez à deux points. Ashraf, Paul à un point. Eric. Voilà. Paul à un point. Eric, deux points. Et puis Barak, trois points. Le champion est devant pour le moment. Mais rien n'est encore fait, rien n'est encore joué. Tout le monde est en vie dans ce jeu. Tout va se passer à l'issue de la deuxième manche. Et le dernier peut devenir le premier. Donc attention, attention, Baraké. Ça peut aller. Ça va aller. Voilà, on va passer à la deuxième manche. Challenge Express, maintenant. Challenge Express, toujours avec Barak, Eric, Paula et Ashraf. On va passer maintenant à la première épreuve et on commence avec Barak. 10 crayons posés sur chaque box. On s'avance. Barak, vous lancez et vous attrapez. À la fin, on comptabilise le nombre de crayons que vous avez réussi à attraper. Voilà. D'accord. Le premier gagne 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point et le dernier 0 point. Et tout va se faire dans une séquence bien chronométrée. 45 secondes. OK? D'accord. Prêt? Vous êtes prêts? Oui, je OK, suis chrono, prêt. S'il vous plaît. Top, c'est parti. Ah. Il vous reste 30 secondes. OK. On va compter. À haute voix, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà, 31 pour Baraki. 31 à battre. Eric, c'est votre tour. Il faut faire mieux que 31. Vous me dites si vous êtes prêts. Hein? C'est bon, chrono. Top, voilà. Voilà. Bon, allez, on poursuit avec Paula.
Le même exercice, Paula. Vous êtes prêtes? OK, chrono. Voilà, c'est parti. J'avais encore le temps, hein. Ah, enlevez ça. Voilà. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ashraf. Ashraf, vous êtes prêt? OK, il est prêt. Chrono. Top. Enlevez ça. Voilà. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Très bien. On termine. La dernière épreuve avant élimination, venez tous devant. Et au top, vous irez chercher vos six gobelets chacun et les poser en forme de pyramide sur le plateau. Le premier qui finit gagne 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point et le quatrième 0 point. Allez, mettez-vous en position. Rapidité, précision, mais on ne se bouscule pas. OK? On ne bouge pas non plus la table pour pénaliser les autres. On est d'accord? On vous donne le top. À 3, s'il vous plaît. 3, 2, 1, c'est parti. Attention. Prends. Ramène le gobelet là-bas et tu reviens. Allez, on reconstruit, toujours avec le ballon. Vas-y, c'est pas fini. Vas-y. Doucement.
Hein? Il faut faire attention. Oh, oh. Ici, il y a deux. Il y a un qui a fini, voilà. Vous avez deux dedans. Il faut enlever avec la main. Non, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, là. C'est bien. Oui, oui. C'est validé, c'est fini. Allez, il reste un point à prendre. C'est qui? C'est mademoiselle ou c'est monsieur? Il reste un point à prendre. Le dernier point va donc à Paula. Wow! Ah ouais! Il faut répondre le micro, Achraf. Empreinte, by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara. Toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de l'accessoire pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Voilà. Qui va partir, qui va rester à l'issue donc de cette manche? Eh bien, les résultats sont les suivants. Le cumul de points donne 8 pour Bahaki, 5 pour Eric, Paula 3, Achraf 4. Voilà, Bahaki et Eric continuent. Malheureusement, l'aventure s'arrête pour Paula et Achraf. Paula, merci beaucoup. On a été ravis de vous avoir avec nous.
Vous voulez saluer des amis ou, vos impressions aussi à l'issue de ce jeu? Je dirais que je suis très contente de participer. Mmh. Tout d'abord parce que c'est un jeu et c'est un plaisir. Mmh. Merci. Donc, le meilleur gagne. Voilà. Je profite pour saluer ceux qui m'ont accompagné. Ils sont où, ceux qui l'ont accompagné? Ils sont juste là. Ils sont où, là? Ils sont... Ah, OK, très bien. Super. Et ceux qui me suivent également de loin. Ouais. Je les salue aussi. Mm-hmm. Merci. Et ceux qui aiment les accessoires que vous fabriquez? Donc, ils n'ont qu'à faire tout possible pour commander. Uh-huh. Car chez moi, c'est la satisfaction. Ah, très bien. Merci beaucoup à vous. Merci. Oui, Ashraf. Oui, ah, malheureusement, Ah, oui. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Mais bon, quand même, je reviendrai. OK, on l'espère bien. Donc, je remercie quand même la TVT. Mm. On s'est bien amusé quand même. L'essentiel, c'est de s'amuser. Voilà, c'est le plus important, oui. Mm. Je remercie aussi mes amis qui m'ont accompagné. Ils sont où? Petit frère. Salut, les amis. Voilà. Et je remercie aussi mes parents qui me suivent actuellement à la maison. Très bien. Et je dis aussi bon vent aux deux premiers. Voilà, Eric et puis Marc, et voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. On vous raccompagne, merci. Voilà, on vous raccompagne, Ashraf et Paula. Voilà, très, très ravi de vous avoir eu dans cette émission. Et pour la suite, Eric affronte Bahaki dans ce ultime challenge. Le premier automatiquement devient notre champion. Est-ce que le champion va demeurer le champion ou il sera détrôné? C'est tout de suite le jeu. Une petite épreuve. Le challenge express. Eric, face à Bahaki, vous avez chacun 20 gobelets bien comptés devant. À chasser du plateau à l'aide de ballons de baudruche gonflés. C'est une affaire de souffle. Le premier à finir, eh bien, c'est notre champion. On est d'accord? Bonne chance à vous. On va vous donner le top. OK? Ouais. On y va, les amis. À 3, 2, 1, 0. On ne touche pas les gobelets, c'est juste l'air. Voilà. On ne touche pas les gobelets, juste l'air. Voilà. Applaudissements, s'il vous plaît. Marc, qu'est-ce qu'il y a? Le problème est tellement complexe pour moi, je ne comprends rien. Hier même, je n'ai pas arrivé à faire tomber un seul contre. Oui, mais comment ça se fait? Vous arrivez quand même à bien gonfler, mais, oui, mais je ne sais peut-être pas. C'est la stratégie que vous utilisez qui n'est pas la bonne. Non, c'est pas une affaire de ballon, en tout cas. Non, je vais essayer, va, ou bien. Voilà, c'est la stratégie. Hmm? Dans les comment vous faites? Allez! Bon! Très bien, on arrive donc là, connaître notre champion. Eh bien, le champion a été détrôné et le nouveau a s'installé sur le fauteuil. C'est bien Eric! Bravo, Eric! Mais Marc n'a pas démérité, mais bon, c'est un jeu, ça arrive. L'aventure devra s'arrêter là pour vous. Et mais c'était bien de vous avoir depuis oui, hier. C'est très bien aussi pour moi. Vous allez nous manquer, hein? Vraiment. Bon, si j'ai eu le temps, je peux passer tout. Ben, bien sûr, bien sûr. Oui. Vous venez quand vous voulez. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Si je suis disponible là-bas. Très bien. Impression. Et puis pour la petite histoire, vous n'étiez même pas programmé pour, oui, pour passer. Oui, je n'étais même pas programmé. Vous étiez là juste pour accompagner juste quelqu'un. Juste pour accompagner bon, mon ami Senghor. c'était... Et puis, ben voilà. Donc, on m'a choisi comme ça. Oui. Bon. Et vous avez réussi à battre
abattre les gens hier. Bon, allez, hier, très bien. C'était une impression. Bon, je suis très énervé. Bon, parce que vraiment, ça me fait du plaisir, quoi. Mm-hmm. Ah oui, de participer à ce jeu. Ok. Et je profite également à saluer ma famille, oui. Oui, mes amis, ceux qui m'ont accompagné, ambassadeur Senghor. L'ambassadeur, il est encore arrivé. Donc, il est encore arrivé. C'est mon bras droit, okay. Direct même. Et OK, très bien. Tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, et je les dis bonsoir. Bon, ceux qui ont le désir de passer, participer à l'émission, ils qu'ils viennent, oui, on qu'ils est viennent, là. Parce voilà. Que c'est, ça fait du plaisir, quoi. Oui, c'est, oui, oui. Ouais, c'est on apprend chose, et on s'amuse, et voilà. S'amuse. Également, je remercie aussi l'équipe technique, vous-même, parce que j'apprécie vraiment l'émission. Merci, oui, c'est gentil. Ouais, et, on l'applaudit. Merci. Grand merci à la communauté. Merci à vous. Voilà, merci. On leur accompagne, s'il vous plaît. Voilà. Marrakech. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, nous allons passer à une autre étape. Eric, encore une fois, bravo. Vous venez de gagner votre première émission et il faut aller jusqu'au bout. Il faut réussir à gagner encore 4 numéros. Vous allez pouvoir le faire. C'est possible? Oui, c'est toujours possible. Mais déjà, cet après-midi, vous pouvez repartir avec des cadeaux. Mais ça passe par les 10 bonnes réponses que vous aurez à me donner. Oui. Voilà. 10 questions, c'est les justes casiers. Et on joue maintenant. Les justes casiers avec Eric. Eric, toutes les questions portent sur le Togo. À partir de la 5e question, vous avez la possibilité d'utiliser un joker, le 50-50, si vous avez des difficultés sur une question. Vous aurez à l'utiliser juste une seule fois. Donc, mesurez la teneur de la question d'abord, avant de le demander, le joker. Prêt? Oui. Très bien. La première question, parmi les parcs animaliers au Togo, nous avons celui de la Kéran. En quelle année il a été créé? A. 1950. B. 1960. C. 1967. D. 1974. C. 1967. Non, c'est depuis 1950. Togoville se trouve dans quelle préfecture du Togo? A. Golfe. B. Vaud. C. Zio. D. Lac. Togoville, c'est dans quelle préfecture? Golfe. Vaud. Zio ou Lac? Zio, si. Non, du tout. C'est plutôt Vaud. Ah non, non, c'est dans Vaud, attention. B. Troisième question, le Wachi est-il parlé principalement dans quelle localité du Togo? C'est une langue, le Wachi. Il est parlé principalement dans quelle localité du Togo? Vous avez 4 propositions. A. Tabligbo. B. Vaughan. C. Anéha. D. Pimé. A. Tabligbo. Non. Merci. Vaughan. Le Wachi est principalement parlé à Vaughan. On est toujours à 0 clé. Attention, c'est pas bon. Kléber Dadjo fut l'un des présidents du Togo. Pour lui, il a passé seulement quelques mois à la tête du pays. C'était en 1967. Donnez-nous la période à laquelle il a été président. C'est de quel mois à quel mois? Nous voulons juste la période. Est-ce de janvier à mai 67, de janvier à mars 67, de janvier à avril 67 ou de janvier à juin 67? Oui. C'est de C, de janvier à avril. Oui. De janvier à avril, et plus précisément du 14 janvier au 14 avril 1967. Bien joué. Une clé. Question 5. Quelle fête célèbre-t-on au Togo le 21 juin de chaque année? A.
la fête de la liberté, B, attentat de Sarakawa, C, la fête des martyrs, ou D, la journée nationale de la paix. C, la fête des martyrs. Oui. La fête des martyrs chaque 21 juin. Bien joué. Question 6. Au cours de l'année 2021, le Togo a abrité le sommet mondial des filles à Lomé. C'était à quelle date? A, le 21 octobre. B, le 26 juin. C, le 2 octobre. Ou D, le 20 novembre. A, le 21 octobre. Bonne réponse. Ça part. Allez, trois clés. Très bien. Benjamin Boupeti a remporté la première médaille olympique pour le Togo lors des Jeux olympiques de Pékin. C'était en quelle année? A, 2008. B, 2010. C, 2013. Ou D, 2015? D, 2015. Non! C'était en 2008. A décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques. La toute, en tout cas, c'est, jusque-là, c'est la seule médaille que le Togo a pu avoir. On est toujours à trois clés. La région maritime, c'est la huitième question. La région maritime, au Togo, bien naturellement, est composée de combien de préfectures? A, 10 préfectures. B, 11 préfectures. C, 9 préfectures ou des 8 préfectures? A, 10 préfectures. Ah, pas la bonne réponse, c'est plutôt 8 préfectures. Vous avez toujours votre joker, hein? Vous l'utilisez quand vous voulez. Et l'avant-dernière question, le stade de Kégué a été inauguré en 2000. Combien de personnes peut-il contenir? Officiellement, le stade de Kégué fait combien de places? A, 25 000 places. B, 30 000 places. C, 35 000 places. Ou D, 40 000 places? Bah, je vais demander le joker. Très bien. Il a demandé le joker, veuillez retirer deux mauvaises propositions. Très bien. 30 000 places ou 35 000 places? C'est 35 000 places. Non, c'est plutôt 30 000. La capacité du stade de Kégué, c'est 30 000, mais pour des raisons de sécurité, on fait moins. Donc, généralement, on peut aller jusqu'à 25 000. Mais la capacité du stade, c'est 30 000 places. 30 000 places. La dernière question, vous ne pouvez plus utiliser le joker, on est d'accord. La dernière question, Myriam Dessou d'Almeida est ministre du Togo, dans l'actuel gouvernement. Elle est à la tête de quel ministère? A, le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme. B, le ministère des Sports et des Loisirs. C, le ministère des Armées. Ou D, le ministère de la Jeunesse et du Développement à la base. C, le ministère des Armées. Non. Même à la régie, quelqu'un a dit « Ah !» Du tout. C'est plutôt le ministère de la Jeunesse et du Développement à la base. Myriam Dessou, que nous saluons au passage. Voilà. Merci. À la fin de cette séquence, eh bien, vous enregistrez trois bonnes réponses. Donc, vous gagnez trois clés. Avec trois clés, vous aurez à ouvrir seulement trois casiers. Sachant surtout que sur les 10 casiers, on n'a que 4 bons casiers, des casiers qui contiennent des cadeaux. 6 sont vides. Donc, avec les trois clés visées juste. On est d'accord? Oui. Eric? Oui. OK? Non. Très bien. Vous me dites si vous êtes prêts pour l'ouverture des casiers. Je suis prêt. OK, il est prêt.
Eric. Le casier 6. On commence par le casier 6. 6. Très bien. Et vous le savez, on n'a que 3 clés et il ne faut pas les bousiller. Oui. Le 6, pourquoi? Parce que c'est le jour de mon anniversaire. Le jour de votre anniversaire. Donc vous êtes né un 6. Oui. De quel mois? De septembre. Ah, septembre. Vierge ou lion ou quoi? Je ne sais pas. Oh. Votre signe du zodiaque? Je ne sais pas. Ah, super. Ok, on va ouvrir le casier 6. Ah, ça commence bien. Donc, le 6, oui, ça marche. Vous avez... Donc, ce qu'on va faire, vous attendez le 6 septembre, OK, pour aller chez Makelele. Parce que vous venez de gagner un bon de consommation au restaurant Makelele, l'un des meilleurs restaurants, on va dire. Voilà, vous pouvez commander, on peut vous livrer aussi, et vous pouvez aller, hein, 24 heures sur 24. Voilà. Vous connaissez Makelele? Oui. Très bien. Donc, vous venez de gagner un bon de restaurant. Le 6 vous a porté chance. Très bien. La suite. Je vais prendre le casier 9. 9 ? 6, 9e mois. Oui. Ah, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le 9e mois. OK. 9e mois, est-ce qu'on a fait une bonne affaire ? Non. Non. OK. Il nous reste un casier à ouvrir. Pardon. Oui. On va ouvrir le casier numéro 2. 2. OK. Le 2, ça c'est... Ça représente quoi? Le premier numéro de l'année de naissance. J'ai pas compris. C'est 2000, quoi. Donc j'ai choisi. OK, d'accord, les deux, pourquoi pas. Est-ce qu'on a quelque chose dans le dos? Ouh! Ouais, ça marche. Ça marche? Oui. Wow. Ça marche. Ça marche. Séance shooting photo, très bien. Après, vous irez faire le shooting et puis après, vous allez au resto ou vous allez faire les verres, si c'est pas. Allez, on applaudit. Venez, encore une fois, bravo à vous. Le plus important, vous avez enlevé une émission. On va se retrouver demain. Voilà, pour un autre challenge. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Oui. Un peu stressé sur le coup, mais bon, ça a été quand même. Oui. Ouais, super. Félicitations encore une fois. Merci. Et vous rentrez bien. On se donne rendez-vous demain? Demain. Oui, super. On leur accompagne. Merci. Merci beaucoup. On leur accompagne. Voilà, avant de conclure cette émission, je vais inviter M. Assogbavi, Ghislain. On m'a dit en off, on préparait l'émission, qu'il a un truc pour moi, je ne sais pas encore ce que c'est. D'abord, il est étudiant et artiste dessinateur. Je vous prie de l'accompagner sur le plateau. Ah, il sera accompagné par M. Arligo Ben Marshall, le manager, oui, toujours. Puisqu'il est, comme je l'ai dit, à part le fait qu'il soit étudiant, il est aussi artiste, dessinateur, avancé un tout petit peu. Bon, voilà. Comment vous allez? Le micro. Je vais bien. Mm-hmm. Et pour les téléspectateurs qui nous suivent, vous allez mieux vous présenter. D'accord. Mm-hmm. Moi, je me nomme Assogbavi Ghislain, étudiant en agronomie et en même temps dessinateur. Ah, très bien. Et vous dessinez depuis quand? Depuis mon enfance. OK. Le cours primaire. OK. Et après, vous vous êtes perfectionné ou... Oui, je me suis perfectionné. Comment? Vous avez suivi une formation? Non. OK. C'est inné. OK. C'est inné. Mm-hmm. Donc, je dessinais tout petit. OK. Jusqu'à maintenant. C'est en terminale que j'ai signé avec la maison de production Nice Bee Production. Ah, d'accord. Donc, je travaille avec eux. Là, c'est devenu une affaire professionnelle. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Donc, j'ai signé avec eux. Oui. Et je travaille avec eux actuellement. Très bien. OK. Manager, peut-être. Oui, avant. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène sur mon plateau? Oui. C'est justement ça, voilà. D'accord. je suis venu pour remettre un cadeau à M. Magloire. Ah,
Ah, c'est la première fois qu'on m'offre cadeau. C'est... Parce que généralement, c'est moi qui offre des cadeaux sortis de mes casiers. Bon, donc, pour une fois, on m'offre un cadeau. Bon, et c'est quoi déjà C'est un tableau. OK, d'accord. Oui, on peut l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Non, c'est à moi, non ouais. Donnez et puis j'ouvre. Ah, ou bien, c'est comme ça qu'on fait, non ouais. Voilà. Donc, avec votre permission, maintenant, je peux me dévoiler. Ah, c'est... Il faut que je regarde celle là-bas. Magnifique. Vous me direz si... voilà. Ouais. Très joli portrait. Ouais, vraiment très joli portrait. Ouais. C'est vraiment moi? Effectivement. Hein? Eh oui, bien sûr. Allez, super. Merci beaucoup. Merci. Oui, on va faire comme ça. Très bien. Maintenant, le manager, oui. Ok, moi, c'est Ben Marshall Aligo. Mm-hmm. Et je suis manager de la maison de production Nespiprod. Mm-hmm. Donc, je veux œuvrer au Togo pour le dessin, en fait. Mm-hmm. Donc, il n'est pas le seul artiste avec moi. Okay. Il y a d'Afrique, il y a Anderset ouais. aussi. Mm-hmm. Donc, on était parti dans l'émission mm-hmm. une fois pour remettre ouais. les tableaux mm-hmm. à Fodo là-bas. Mm-hmm. Donc, ah oui! Ouais. Ok, donc oui. aujourd'hui, on est là pour vous. Donc, super. Il y aura plein de surprises. Très bien. Ici. Et ça peut aussi se faire sur commande, non? Oui. Très bien. Ouais. On va alors laisser les contacts pour okay. ceux qui souhaitent avoir de très jolis portraits comme ça et okay. voilà, qui puissent vous contacter. Okay. Oui, merci allez-y. À vous. Donc, pour contacter la maison, c'est sur le plus 228 99 37 24 96. Oh. Okay, encore une fois. Ah, oui. 99 uh-huh. 37 24 96. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est vraiment magnifique et... Bon, voilà, bravo. Et merci beaucoup pour ce magnifique cadeau. Voilà, je démarre bien l'année 2022. Super, merci beaucoup à vous. Voilà, peut-être l'artiste, s'il a un dernier mot ou un mot de la fin, voilà, ce serait bien comme ça. Allez-y. Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous remercie, M. Magla, aussi, pour l'émission. C'est un plaisir. Oui, voilà. Ça a été un plaisir de... D'assister. D'assister. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci et bonne chance à vous dans cette belle et magnifique carrière qui, je le dis, peut-être commence véritablement maintenant. Merci, Margot. Voilà. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Voilà. Uh-huh. Ah, il fait le ménage en même temps. Allez, merci. Oui, une dernière fois, admirez. Voilà, magnifique. Et c'est sûr... Cette dernière note qu'on met fin à cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à vous d'avoir participé depuis la maison. Et puis à vous aussi, merci d'être arrivé dans ce studio. Et merci encore une fois à l'artiste, voilà, à Sogbavi Ghislain. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Rendez-vous demain à 16h sur la télévision togolaise. Au revoir.